là. Intamine. Mais mon cerveau. Oh non. Intamine. Je suis désolé Étienne, mais je crois qu'on va se faire... Ah bah non, du coup on va juste se faire un masque là. Et on pourra le refaire quand même. Oh non, non. Et voilà. Oh non. It did well all day though, it did good. Yes, yeah, very good. Oh, very intense. Oh là là. But now... Eh merde. J'explique la situation. Au début j'ai fait wow, ça va être fou. Et après j'ai fait oh, y a un problème, ça va pas. Et après ça fait. Bon, je vous explique globalement. Nous sommes en arrêt launch, bah, le premier launch en tout cas. On est parti, bah, vous l'avez vu dans le raid, on est parti de la gare. Et puis bah voilà, là, on est en train de faire un petit rollback. Je pense qu'on va faire une petite évacuation parce qu'à mon avis on va pas redémarrer. Ça m'étonnerait qu'on redémarre comme ça. Non, je pense pas qu'on va être relancé en même. Je pense que là, c'est vraiment la panne de la journée. Et à mon avis, on va pas pouvoir le refaire. Au moins, c'est le dernier raid qu'on a fait. Et ça va être une petite évac. Le dernier raid, on reste bloqué dans tout Atis. Oh my god, je reste bloqué dans tout Atis. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Au moins, est-ce que vous avez vu qu'il y avait une enceinte ici? Moi, non. Voilà. Nous sommes bloqués. Le dernier à sortir du train. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Bon, bah, nous sommes à l'arrêt. Il y a un train de tout Atis juste ici. Genre, attends, je peux regardez, faire... non, touche pas, touche surtout pas. Ouais. Vous avez... Et voilà. Merci beaucoup, bon courage. Oh, on a vécu... Une évacuation de Atis. Alors, je sais même pas où on arrive ici. Comment récupère nos sacs? Et là, on est... Ah, on est juste là. Bon bah voilà. On passe même par les... Alors... Ouais, je vais éviter de filmer les backstage en tout cas. Mais ouais, voilà, petite évacuation. Alors ça, je peux vous le montrer parce que ça, c'est super beau. Alors ça, c'est très beau. Voilà, évacuation rapide et contrôlée par le parc Astérix. Merci beaucoup. On va le renvoyer. On va le renvoyer. Regarde. On a le droit de le refaire. On va le renvoyer. Du coup, on le refait. Merci beaucoup. Donc là, on va reprendre exactement les mêmes places, la même position, avant de récupérer nos sacs. Du coup, on va retourner dans le train. Puis voilà, ça aura duré une bonne dizaine de minutes. En tout cas, franchement, ça a été géré de fou furieux par le parc Astérix et l'équipe de la maintenance. Donc merci à la maintenance. Et puis merci aux OP parce qu'ils sont vraiment adorables. Bah voilà. Deuxième, en fait il y a un train qui pose problème apparemment. Donc ils vont rentrer le train qui pose problème, le train où on était justement évacué. Ils vont le ranger en voie de garage. Et puis on va continuer à faire tout Atis. Puisque le parc, vraiment, alors là le parc top. Il nous propose du coup quand même de rester, donc de refaire un tour avec le train juste derrière moi qui ne pose pas problème. Donc tout Atis tournera un train, mais cependant on le fait quand même. Donc ça c'est génialissime. Il nous propose de le faire, donc ça c'est génial. Regardez. Ouais, un peu hein. Un petit peu mou le train j'ai trouvé. Mais bref, en tout cas ouais, le parc est génialissime. Franchement, il est 19h combien? 19h et des brouettes. Bon je sais pas, il est en tout cas il est peut-être 19h30. Et on est dans la file d'attente. Enfin on nous propose de quand même faire tout Atis. Donc ça c'est génial. Il y a beaucoup de parcs comme Plopsaland ou d'autres parcs qui nous proposeraient justement de ne pas de ne pas refaire de tour. Genre ils diraient bah cassez-vous puisque là on ferme. Sauf que là ce n'est pas le cas. Donc franchement, tout Atis et le parc Astérix. On est reparti. On est reparti. Voilà, c'est parti. C'est fou ce qui se passe, l'ambiance est fou. On repart aux mêmes places. Bon c'est fou, faut que je vous raconte. On a été évacué de tout Atis, vous l'avez vu dans la vidéo. C'était incroyable. Un gros big up à la maintenance, à la sécu et aux OP qui ont été hyper agréables, hyper gentils. On a refait le coaster alors qu'il y avait une panne, alors qu'ils ont rentré un train. Donc franchement c'était génialissime. Bref, non franchement on a été évacué avec très grande maîtrise. C'était génial. Franchement c'est un truc à faire, à vivre en tout cas dans sa vie. C'était super. Un gros big up aux employés qui sont ultra sympas du début à la fin de la journée. Franchement, je vous jure, là il doit être 20h,
20h quelque chose, 20h25, ils ont fini leur journée, et pourtant, ils restent super agréables, ils restent courtois, ils te souhaitent bonne soirée, ils te disent au revoir monsieur et tout, est-ce que vous avez bien aimé. Enfin franchement, il y a beaucoup de parcs où c'est vraiment pas le cas, où à la fin de la journée c'est ciao et puis tu te casses. Donc très bon point positif les employés, et surtout la sécu incroyable, sécu est folle.